Yo les amigos, bienvenue sur OJT, on joue à tout pour cet épisode 11 de Tales from the Borderlands. Comme on l'a vu la dernière fois, on s'était fait attaquer par des putains de framboises à la con. On a vu qu'il y avait deux groupes qui se formaient, avec Athena et Fiona d'un côté, et les Lovers de l'autre, avec Rhys et Sacha. Donc là, nous allons découvrir ce qui se passe derrière la petite porte qu'on a vue l'autre fois. Je pense que ça va être sympa. Ça va être gore, hardcore, let's go, tout de suite. Ok, donc nous entrons dans ce genre de bâtiment. D'accord. Ce serait donc peut-être l'élément de Gortys, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc là, je dois me déplacer. On va se diriger, tranquille. Oh! Oh merde! D'accord. C'est vachement gardé. On est dans le caca. Ok, donc là, on se fait canarder de ouf. Qu'est-ce qui vous prend tant de temps? Voilà, donc les deux étaient en train de faire leur lover à la con. Pendant ce temps, nous, on se fait défoncer. Ok, donc là, ils font de la pisse. On est dans un genre de salle de contrôle. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces putains de framboises. Elles vont péter la vitre en fait bientôt. Et puis pas se nettoyer la face aussi, peut-être que ça arrangerait le coup. Donc là, on doit désactiver les tourelles. Alors, on doit faire correspondre les circuits. D'accord, c'est du hasard. Super. Bon, on va faire celui-là. Donc ça, c'est la ventilation, d'après ce que je vois. Ça, c'est l'alarme, peut-être, donc c'est pas bon du tout. De nouveau, la ventilation. Ça, c'est l'électricité. Putain, mais y en a aucun qui est bon, quoi. Électricité. Électricité. C'est bon. Ah, c'est pas bon en fait. Bordel! Ça, c'est quoi? Alarme. Ah, tourelle, on en a une. Donc, ça, c'est nouveau alarme, c'est pas bon. Donc, ce sera les deux là alors. Celle-là et celle en haut. Ouais, c'est bon. Voilà, on a tout essayé. Enfin. Wow! Dossier classé Cassius le maire. Merde! Si elles sont toutes rentrées. Ah, dommage. Non. Ouh, l'atterrissage qui fait mal. What? C'est Jack. Donc là, logiquement, ça devrait pas tarder à prendre effet. Je vais tuer Rhys. Ah. C'est bon. Ouais, donc c'est bien l'amélioration de Gortys. Espérons qu'il n'y ait pas un autre piège.
guess this is the energy chassis. Any idea what it does? It gets us one step closer to a vault. Ouais, et je pense que tu vas nous trahir. C'est ce que je vais faire. You've got potential, but real vault hunting, it's a lonely life. Be ready to kiss all of your relationships goodbye. Come on, let's get this thing back so it can do whatever it does. Ok. Donc en fait, dans la vie réelle, c'est ça qu'on cherchait en fait. Mais pourquoi il est là? C'est ça que j'aimerais savoir. On se rapproche de plus en plus de la vie réelle. Just as Fiona told that part of the story. Just lucky, I guess. C'est qu'il y a dû avoir un sacré souci si on cherche la pièce maintenant. What do you want with that thing, huh? Clearly you know what happened. If I knew everything, you wouldn't be here. I'm saying I would have killed you. Yeah, we get it. Oh, you made it! Awesome! Hey, so that thing you wanted me to look into? The vault? Yeah. The specific one we're going after is called the Vault. Okay, on a un nom sur l'arche. Okay, why is it called that? Well, it apparently teleports all over the universe. Super intéressant. Oh, that's fantastic. I know! You've returned. And with the goddess upgrade, no less. Ouais, et on a un dossier sur toi, mon pote. I take it that you'll be on your way then. No point dawdling in a crummy rundown facility like this. Time must be of the essence, isn't it? And you need to be. On doit d'abord placer l'amélioration sur Gortys. We came here to upgrade Gortys. No one's leaving till we do that. And no one is doing that until Rhys gets back. Well, perhaps I should be the one to leave. Fais ce que tu veux. Oh putain, on va se faire buter. Rhys va se faire tuer. Ooh, old Iron Abs over here. And here I thought you were just a dweeb. But no. Arrête. You're a buff dweeb. Hey, knock it off. Knock what off? Look, sweetie. Oula. Il est chelou là. You know, this me. The me that I am right now. C'est Jack ou quoi? Nina, have I got something for you? Ah, c'est Jack. Il a pris le contrôle du corps de Rhys. C'est ouf. Let me finish, huh? Let me finish. You see that old scared looking guy right there? Oh, over here. There he is. All right. That. Ouais, c'est sûr, c'est Jack. Il le connaît. Left on Pandora. It's true. Well, what are you freaking waiting for? Tell him! Shut up, Rhys. I'm sorry, I got a little carried away there. Won't happen again, cupcake. Oh putain, il met une main au cul. Rhys a fait tellement de boulot pour en arriver là. Il a tout niqué. I might have an idea. Oh oh, s'il raconte ça, il va nous trahir. Lying Atlas scum. Oh putain, et elle rigole pas en plus. Whoa, what are you doing? Filling an obligation. Why is everyone so excited? What's happening? I knew this day would eventually come. You sure took your time. Well, your wait was. Donc du coup, vous savez pour Gortys. So you know all about Gortys. I know that it was an initiative that this facility was a part of, but it wasn't my department. Although I suppose I've inherited it at this point. As far as I'm aware, I am the last remaining Atlas employee on Pandora. And you're the last to die. Wait! Show. Doing this? Because. Il peut être utile quand même. Because Atlas tricked me into killing my own sister. Okay? What would you do if that happened to you? I'd burn everything to the ground. Je vais pas te laisser faire ça quand même. Je comprends ton mal, mais c'est pas possible. Athena, stop! I can't. You don't understand.
I made a vow! You didn't make that to her. You made it to yourself, and you're acting like there's no choice. Donc là, on a clairement affaire à une histoire de vengeance. Après, c'est peut-être pas forcément de la faute à lui non plus. Non? Oh! Qui est là? Putain, le mec, il est venu de nulle part. Ouh, Tano! Oh là là! Embuscade, ça pue la merde. Ok. Waouh. My face hurt. Hey, buddy. Yeah, sorry, I had to take over your body. Just trying to keep you out of harm's way. Bon, du coup, Valerie nous est tombée sur la gueule. A-t-elle volé Gortys? C'est ça la vraie question. Et surtout, où est le reste de l'équipe? Ok. Ah, elle lâche pas l'affaire en fait. Hey, kid, remember me? Non. Merde. Ah, elle a pas une petite arme en plus. Hein. On n'a aucune chance. Même avec Jack à côté. Ok, elle l'a pas. Fais chier. Holy crap! Sounds fun. Let him go. Ok, on aurait peut-être pas dû jouer au con comme ça. Mais bon, si elle nous fait chier comme ça, c'est qu'elle elle sait pas où il est. I got it. Are you sassing me, son? You said get it, and I said I got it. How's that sassy? It was your tone. One. My tone is of a person sick of chasing these assholes. But like I said, I got it. This is an outbreak. Ah, merde. Let me speak to your manager. Well, this looks bad. I'm just gonna go ahead and hang out in the back of your brain in case it somehow doesn't get the crap killed out of it. Peace. Super, il se barre. Bon bah pour Gortys c'est mort, ils vont le voler. Hein. Taille-toi, casse-toi. Le problème c'est qu'après faudra le retrouver. Fiona a l'air pendue. Hey, Race, over here. Ah oh non, pas ces deux-là, putain. On va payer là, je pense. Putain, ils nous ont tout volé, quoi. On s'est cassé le cul à tout chercher pour rien du tout. Ah, ils sont trop nombreux, on est dans la merde, en fait. On va tirer sur l'autre. Ah, on a plus d'armes. Super. Mon flingue, c'est aussi une bombe, bande de chiens. Will you give me a second, dude? Hey. Hurry up, man. Man, just blast the bush and be done. Ouais, enfin, genre, là, c'est un peu abusé, quand même. Genre, le mec, il se rend pas compte qu'on se balance, quoi, pour choper le flingue, tu te fous de ma gueule. What the?
Tiens, dégâts de corrosion, connard. Et le mec s'est pris 2 balles déjà. Sa bite et son couteau. Elle va le tuer. Elle va le tuer. C'est beau. Ça pue. Bouya! Mais c'est impossible! Il faut que je fasse tellement de choses! Well, that was horrible. I am so nauseous right now. C'était un peu abusé quand même, hein. Honnêtement. Une nana qui était encordée et l'autre qui foutait rien contre 2 mecs armés jusqu'aux dents, faut arrêter quoi. Il est excellent. Ce robot, j'adore. Wait, Loaderbot, hold up. Where are you going? Well, we need to get Gordas back. You help out Athena, I'll go drag Reese's ass out of the fire. Ça t'arrange bien. You're gonna be okay? Fais-leur vivre l'enfer. Yeah. You give them hell. Give them hell, that's what you're going with. Just don't hell in a cell. Try to kill a lot of people. That I can do. Later, Fee. Ce qui serait pas mal, c'est de leur foutre une bonne balle dans la tête à ces salauds. Oh! Don't get used to it. There's only one reason I'd save your sorry ass, and it's on that truck. Sasha, listen, about before. I don't want to hear it. Let's just get this done. Ils ont pas encore remarqué qu'on les poursuit quand même. Pas de soucis. Attaboy. Wait, what are you gonna do? I'm gonna stop the truck. How? Comment il sait qu'il y avait Finch et Kroger? Il les a même pas vus. You'll figure it out. Ah, voilà, ils nous ont remarqué. Ça pue la merde. Oui, bah bien sûr, voyons. C'est pas du tout osé. Ok, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. C'était un peu inutile. Je pense que si on charge le tireur... Non, Auguste plutôt. On va charger le tireur. Tazzle Ball. Ciao.
Donc ça c'est fait déjà. Et Auguste, il est complètement con parce qu'il doit se rendre compte qu'on est dessus et il bouge pas. Ok, j'ai rien dit. Oh oh, le travail d'équipe, le duo de choc. Tue Auguste. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va essayer de l'arrêter. Oh oh. C'est un peu de naze son truc. Super quoi. Il parle beaucoup, t'as qu'à tirer Lopette. On va le casser. Je le sens. Occupe Auguste. Allez, on y va! C'est un peu une mission quand même, un peu trop abusif, mais c'est pas grave. Allez! Faudrait pas qu'il donne un coup de frein ou quoi que ce soit. Oh oh! On a un nouveau personnage, donc c'est Brick, le mercenaire fou furieux. Brick qu'on a déjà vu dans les autres Borderlands. Un personnage excellent, notamment pour sa défense et son attaque. Donc c'est une grosse brute de ouf. Voilà, on a affaire à un costaud là, je vous le dis. Ça va être chaud de lui péter sa gueule. Comment ça, aucun risque? Dégâts électriques. Dégâts de radiation, ça marche pas. Elle change de couleur en fait. Dégâts de feu. Donc là, elle va s'énerver. Ouais, voilà. Elle lui bouffe le bras. C'est le moment de lui casser son bras. Ouh! Putain, elle me donne des ordres là, elle me parle comme un chien, c'est pas vrai! Il est là-haut. Il y a des framboises derrière lui, c'est chelou. Mordecai, pareil, on le connaît aussi. J'adore, c'est le personnage que je prenais à chaque fois dans Borderlands. Justement parce qu'il joue au sniper. Et c'est une machine de combat. Wow. Quoi? On le tire dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment des personnages des jeux Borderlands principaux, et ça, j'adore. Wow. Je suis un chasseur de l'arche. C'est pas vrai. Voilà, ils sont deux brutes épaisses contre nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ça va être chaud là. L'histoire se corse de tous les côtés. Putain, excellent, on a une amélioration de la part de Gortys. Il s'est transformé.
utilise ses jambes pour nous aider, ça pourrait être sympa. Je suis pas sûr, mais bon, on sait jamais. Si lui-même le sait pas. Oh! Faudrait leur foncer dedans. En fait, faudrait que tous qu'on se casse et qu'on fonce dans le tas. Allez, ciao! Fonce-leur dedans, sac à merde. Nickel! Ah mais là on est en plein dans le viseur des autres, faut arrêter quoi. Voilà. Il veut faire quoi au juste? Ah mais genre! Genre avec un vieux bâton il les pète quoi. Bonne idée. Bon, mais ça se met pour quelques temps, je pense, mais à mon avis, il va falloir trouver une autre solution. Oh putain, c'est pas possible. Ah, Gortys, il a même pas vu ça. Ok. Ah, de tous les côtés, ça part en couille, hein. Oh, on se fait poutrer. Oui, bien sûr. Vas-y, sors-nous une idée intelligente. Pas mal. Mais ça suffit pas. Voilà, il va nous écraser en deux. Ouh. Ah là, on s'est pris la claque de la vie, là. Je pense qu'à mon avis, celle-là va s'en souvenir longtemps. Valorie. Ça sent pas bon du tout. Je pense qu'on va avoir vraiment du mal à s'en défaire de celle-là. Waouh, elle a osé quoi. Oh mais attendez, arrêtez là. Il pète même pas son bouclier. On lance le bouclier. Faut la sauver. Ça va être juste. Putain mais elle y va quoi. Hein. Oh. Merde. Je crois que c'est la fin. Athéna est morte. Ou pas. Non, elle est morte, c'est pas possible. Putain, mais c'est abusé, quoi. Valorie, c'est une tueuse de ouf. Elle est sans pitié, je vous jure. Ça marchera pas, je le sens pas. Voilà. Et on se retrouve comme des cons.
Tu peux pas utiliser Gorty sans nous. Faut lui dire ça, sinon elle va nous tuer direct. D'accord. Elle est déjà au courant. Oh là là là. Ok, on s'est tous fait choper. C'est terminé. When you have to get rid of a Vault Hunter, just bring in two Vault Hunters. You boys got everything? Yes, ma'am. Liv will be real happy to see this wretched piece of assassin trap. Ah, il y a Lilith aussi. Qui est aussi une des personnes qu'on peut incarner dans le jeu. Do you feel that, Athena? Et du coup, elle est morte ou pas? Ah ouais, là c'est abusé quoi. Elle nous a détruit. So, where's the last piece, little one? We have a vault to summon. Leave her alone. Tell me where it is before more of your friends get hurt. Starting with this hunk of scrap right here. Okay. Non, dis-lui de la merde. Faut qu'on arrive à lui tendre un piège, mais faut jouer autrement que là. Sérieux? Les amis, cet épisode se termine là-dessus. Donc là, nous sommes à l'épisode 11, donc l'épisode 12, nous allons commencer la nouvelle saison, moi j'appelle ça. Donc ce sera la saison 4. Donc comme vous avez pu le voir, on a eu pas mal de phases de combat, on s'est fait clairement poutrer par Valorie et toute son équipe. On a découvert quelques nouveaux personnages également. Et donc, Gortys a annoncé que le prochain rendez-vous sera sur Helios. Et dans la petite bande-annonce qu'on a pu voir dans prochainement sur Borderlands, on va retourner avec notre ami. On a foutu la merde, donc la prochaine fois nous allons savoir ce qui se passe, ça va être excellent. Rendez-vous donc pour l'épisode prochain, merci à tous et à bientôt sur JT, ciao ciao.